Bonjour les Minecraftiens, ici c'est le B35 pour un nouveau MC4 Play en compagnie de Ben13. Bonsoir. Non, en fait, je suis pas là. Ah bon? Non. Ah, c'est dommage. Ouais, t'as vu, c'est dommage. Bon, et d'un autre. Et de Leocraft. Bonjour. Le mec est de Leocraft. Alors, c'est un pitch. C'est une map de pitch out qui normalement n'est pas encore accessible au public. Que je ne connais pas du tout, c'est la première fois que j'essaye. Alors, on va essayer. C'est la deuxième fois pour moi. Oh, je lag. On a une canne de pêche. Oh, tu t'es fait projeter, c'était pire. Et le harpon, il sert à quoi? À harponner. Et ça joue l'intérêt d'une canne à pêche classique? Bah, je crois qu'elle a knockback aussi. Non, en fait, elle attire vers l'autre et elle repousse en même temps. Donc, j'ai pas tout compris, moi non plus. Je lag à mort. J'ai perdu une vie, ça... Bah, moi, je lag déjà un petit peu, donc... Ah non, c'est juste du sharpness. J'ai plus qu'une vie. Non, mais quand je dis à mort, c'est du 3 FPS. C'est énorme, mais... Bon, quand tu dis à mort, je comprends, hein. Ah ah, t'es mort. Oh, je suis planqué à un endroit, moi. Je suis mort. Il y a un seul B35 en moins. Il me saoule, ce type qui zigzague, là. T'as vu, je te protège, CLB. Et je te shoot aussi. Et je te protège. Tu me shoot ou tu me protèges? Les deux. En fait, je shoot sur tout le monde. Fais attention au trou noir. Hein. C'est mon copain. Ah, au revoir. Putain. Oui, j'en ai shooté un, c'était beau. On essaye de le shooter. Oh putain, mais on m'envoie des flèches. Ah, mais les blocs, ils se cassent. Ah merde. Donc je cours alors. J'étais planqué dans des blocs en mode gros campeur. Alors je fais 3 plus 1 toutes les 2 secondes, mais bon. Ça faut moi je le fais même pas, vu que ça sert à rien. Dès qu'on m'envoie une flèche ou un truc, je lag. Si on t'éjecte dans une vie. Dans un arbre, dans un bloc, ça va le casser. Eh, je suis le deuxième à avoir le plus de vie. Enfin, le deuxième plus en vie. Ouais, t'as 4 vies. Mais à l'autre partie, je laguais pas. Putain, 3 vies. Bon, faut le déloge, ce type. Il est vraiment pénible. Qui a fait ça? Le CLB aussi, faut le déloge. Mais non, faut se déloger en priorité celui qui a beaucoup de vie. C'est un connard. Non, il m'a tué. C'est Asmog. Putain, 2 vies, ok. Bon, bah c'est un petit peu mort ce type, je sais pas trop comment il fait. Il m'énerve. Il lag pas, peut-être. Meurs. Moi, je vais voir le mouton magique. Tu vois. Ah non, je vais pas voir le mouton. Il va y crever. Mais il y en a un qui est flèche ou quoi? Oui, oui, justement, c'est celui dont je te parle depuis 4 heures et que tu as préféré tuer moi à la place de tuer lui. Troll. Il joue qu'à l'arc, c'est un faible. C'est le B bientôt mort. Putain. Il est mort. Bon, en tout cas, cette map est bien foutue. En plus, il paraît, j'ai l'impression qu'il y a des features intéressantes. Désolé pour le son au passage. Quand elle sera publique, je pense qu'elle sera très sympa à jouer. Faudrait peut-être qu'il fasse un petit travail d'optimisation sur les FPS. Je veux vraiment que ce type crève. Comment il a de la TNT d'abord? C'est quand tu tues 10 personnes. Enfin, quand t'envoies dans le vide 10 personnes. 10 oui. Putain, mais t'as jamais de TNT en fait. Si, moi j'ai réussi à en avoir une. Pas moi. Non, c'est quand même chaud. Mais c'est 10, t'as le droit de mourir. C'est ma troisième partie. Oui, oui, bien sûr. Moi, c'est que ma deuxième. 10 kills en une partie de pitch-on, c'est déjà un bon score, vraiment. Par contre, c'est méga long à charger. Tiens, au fait, j'ai pas précisé qu'on est sur Epicube, hein. On est sur Equipube. Equipube. Ouais, moi, je l'ai renommé comme ça. Moi, j'ai nommé Epic Cube LOL. Et c'est une victoire de Asmogs, celui que tu m'as tué au lieu de tuer lui. Méchant Ben 13. Donc, on en fait une petite deuxième? Ouais, mais c'est très long à changer. Donc, à dans 3 ans, je casse. À dans 3 ans. Au revoir. Re, alors, bon, blanc, c'était NT, c'est en réexplosion 3 secondes. J'étais joueur.
C'est toutes les 5, pas toutes les 10, tu me disais, je me disais aussi. Lance un trou noir. Hein. Mais pourquoi j'en ai marre? Allez, c'est parti. C'est bien qu'ils mettent un peu plus d'items dans les pitchers, ça manquait, franchement. Bon, après, ça arrive de faire laguer un petit peu, mais bon. Dire, hein. Je fais bugger le temps, vous avez vu, je fais bugger le temps. Ouais, mais y'a que toi en fait, c'est tu choisis ton temps pour la game. Ah mince. Je lag. Mais arrête, je lag, c'est de l'anti-jeu. Je fais du 0 FPS non-stop. Ouais, oui. Tu faisais du pile poil 0 FPS non-stop, tu ne bougerais juste pas. Si, je bouge, mais. Enfin, non, en vrai, je fais du 1 FPS. Je suis en train de te bourrer de coups là. Moi, je fais du 30 FPS. Ah putain, mais comment tu fais pour survivre? C'est bon. Je t'ai envoyé une flèche ou pas? Non, même pas. Ah, le CLB! Ah merde! C'était moi. Ah! Méchant! Ouais! Wow. Merde! Non! J'ai perdu ma première vie! Est-ce que j'ai le droit de me laisser. Est-ce qu'on a le droit de me laisser en vie? Non, on n'a pas le droit. Bien sûr! Avec une pelle! Ah oui, on a pu jouer grâce au fait que les crafts soient VIP en fait. Parce que normalement la map est réservée VIP là. Mais pourquoi? Ouais, mais il faut payer 100€ quand même. Putain, oh il a bien joué lui. Il a bien zigzagué comme il faut, il y avait pas moyen de viser à l'arc. Parfait. Enfin, sauf si on arrive vraiment très très bien à prédire des trajectoires presque imprévisibles. Oh, j'ai une bombe. Vous pouvez aussi avoir le VIP moi, enfin le. Je sais même plus comment ça s'appelle. Le mini VIP. Oh, j'en ai éjecté un avec la bombe. J'en ai éjecté un avec la bombe. Debug profiler actif. Ah mince, il a bien joué. Le VIP il est à 20€. Okay. Donc, le VIP coûte le prix du jeu, hein, je dis ça. Ouais, mais j'avais pas vu ATNT, merde! Et le VIP pour toute la vie ça coûte 100€ et c'est ce qu'il a acheté. Non, j'ai acheté l'Epic VIP. Bon, 100€ ça coûte pas vraiment 100€, ça coûte peut-être 80. Mais 100€ si vous êtes joueur normal quoi. Ça coûte 100€. Bon, alors on a CLB qui a plus de vie que tout le monde. C'est pas vrai. Oh, Leocraft il est encore en vie. C'est scandaleux. Bientôt je serai tué, je pense. Oh, je serais quasiment au même nombre de vie que CLB si j'étais. Celui qui passera, se repassera. Voilà. Ah, tu t'es fait tuer par CLB. Oh la loose, CLB il est trop nul. Je t'entends. Non, mais c'est le contraire. C'est tu t'es fait tuer par CLB. Moi. Ça veut pas dire qu'il est trop nul, CLB. Non, mais je veux dire, genre la loose, tu t'es fait tuer par ce type, quoi. Ah non. Oh putain, ça se joue juste, ça se joue à rien. Il est où CLB? Nulle part. Putain. Cool. J'ai dû faire pas qu'il. Putain, faut pas que je me fasse toucher. Oh, ça s'est joué à rien ma survie là. Et ça se trouve je l'ai gagné alors que j'ai fait que 3 victoires de manière globale sur Pitch Out. Pour non toi, mais t'as je gagné. Pas ouais. Mal mais j'ai pas gagné là. Si. Souvent c'est vers la fin que j'ai tendance à me faire éjecter en masse. C'est bien, s'il m'avait fidé là je serais mort. Putain, je vais me faire tuer. Putain non, pourquoi j'ai ouvert mon inventaire? Oh la flèche, je l'ai vu passer. Il y a les murs qui se détruisent quand on rentre dedans, c'est chouette. Ouais, et qui se remettent après parce que c'est magique. Mais suivons le CLB. Putain, ok, j'en ai éjecté un. Moi je le suis pas, je suis. Merde, pas j'ai raté ma TNT. J'arrive plus à la fin. Tu l'as? Non. Tu l'as? Oh putain! Oh ça se joue à rien! Tu peux le faire! Derrière toi, tu te retournes et tout! En fait, je suis dans ta vie là! Ça se joue à rien là! Ils ont une vie chacun! Je sais! Ils ont une vie. Putain! Oh! T'as encore envie? J'avais remarqué qu'ils avaient une vie chacun et les deux pseudos sont rouges, voilà! Putain, j'arrive plus à jouer! Non. Ils jouent tous les deux contre toi! Bah, c'est normal! Moi, à leur place, je ferais pareil! Lutter contre un BG pareil, c'est ça la classe. Ah non, en fait, il y en a un qui joue contre toi et l'autre qui. L'autre qui joue un peu contre les deux. Putain, les éjections sont deux fois plus puissantes. Oh non! Vas-y, on rentre.
Oui. Je fais un print screen pour Twitter déjà. Et oui, les Minecraftiens. Oh putain. Victoire de CLB35, ma quatrième victoire seulement en pitch out. Et sur une nouvelle map, je crois que c'est VIP. J'ai une luck de j'ai une luck monstre. Je suis vraiment super content. J'adore gagner. Ça me met de bonne humeur. J'adore gagner. Mais par contre, quand je perds, moi, je tape tout ce qu'il y a aux alentours. Le pire, c'est que c'est presque ça. Je suis mauvais joueur, mais un truc de malade. Ah, mais il y a un de mes amis sur ce lobby. Genre. Lui, c'est comme sur Facebook, il a plein d'amis, mais au final. D'accord, tu t'es découvert. Ben 13 est parti. Et donc, moi, j'arrête ma vidéo ici. Ce petit MC4 Play, pitch out sur la map, sur un nouvel map. Et salut les amis, c'était Ben 13 et CLB, et je sais plus qui. Allez, au revoir. Et c'est quoi le nom de la nouvelle map? Dans le dos, juste pour savoir. Je sais pas. Attends, je regarde ça. Turtle. C'est la tortue. C'est la tortue. Turtle. On se bat sur une tortue? Bah oui, ça se tient. Turtle. Et une win sur une tortue. Ça va être ça le nom de l'épisode. Win sur une tortue. Ouais, peut-être pas. J'essaierai de mettre un nom un petit peu plus pertinent. Et bref. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage. Pour savoir quel est le titre, regardez en dessous de la vidéo. Désactivez votre plein écran s'il est activé. Et partagez la vidéo si cette victoire vous l'avez trouvée épique. Et si vous avez envie de partager. N'hésitez pas de follow sur Twitter, il y a plein de nouvelles informations, plein de trucs super sympas. Je peux proposer de jouer des fois avec des abos si jamais je m'ennuie, et bon, généralement il n'y a pas de réponse. Donc et donc c'est à vous de venir pour qu'il y en ait justement. Je suis follow par Pianisa, j'ai été follow à une époque par Top 10. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage. Oh mais le mec il essaye de se faire de la pub quoi. Ouais bref. Par lui, voilà, je suis désolé, c'est plus fort que moi. J'ai reçu un commentaire d'iPlay for You, j'ai une vidéo à 15 000 vues. Allez, donc sur ce, je vous remercie du visionnage. Et je vous dis au revoir. C'était CLB, et n'hésitez pas à nous retrouver partout où vous pouvez nous retrouver. Sauf chez nous. Je suis connu, avec un couteau parce qu'on tient notre vie en fait. Si jamais vous réussissez à trouver ces informations-là, je peux vous garantir que je serai prêt quand vous viendrez. Allez, donc sur ce, je vous dis au revoir. Pas toi, tu seras prêt, toi, tu putain, mais ça fait 57 fois que j'ai fait mon outro, merde. Sur ce, je vous dis au revoir. Donc sur ce, je vous dis au revoir, c'est CCLB. Donc sur ce, je vous dis au revoir, c'est CCLB. C'était la 60e, allez.